Donc, la voix sur mon cou. Bonjour. Du coup, je suis avec la Lisa pour un peu Allez, vas-y, 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 vas-y. Oui. Monsieur, je vais vérifier parce que je crois que j'ai oublié l'ordi dans la voiture, donc j'arrive. Ok, je pense qu'on ne va pas pouvoir vous prendre maintenant. D'accord, ok. J'ai pas l'autorisation de la DRF. D'accord. Merci. Ça sur rendez-vous. Elle est là pour le visage, vous n'êtes pas. Voilà. Donc ce type de mobilier, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de souci. Il y aura 19h59 et 37 secondes, on rejoint l'Elysée. Voici la locution du président de la République. Et on se retrouve donc juste après avec nos invités, Natacha Polony de Marianne, Étienne Gernel du Point et Thomas Legrand de France Inter. Et 19h59 et 50 secondes. Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, la crise sanitaire que nous traversons, cette épidémie de Covid-19, dure depuis maintenant plus d'un an. Un an de peine, d'épreuves, où nous aurons été au moins 4,5 millions à contracter la maladie et où bientôt 100 000 familles auront été endeuillées. Un an d'efforts pour tous, d'angoisse, de sacrifices, de fierté aussi et d'actes héroïques. Un an où, ensemble, nous avons résisté et appris, où nous avons tenu.